Bonjour à tous, je suis Martin Hu. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans un restaurant typiquement chinois de Marseille que j'ai découvert avec mes élèves de terminale. On a fait un petit resto ensemble pour fêter la fin de l'année scolaire et ça fait 6 ans que je les ai comme élèves. Donc pour se dire un petit au revoir, on s'est fait ce super resto qui s'appelle le restaurant Li Yilin. Li Yilin, qui est situé 22 rue Sainte à Marseille, dans le premier arrondissement. Alors au programme, bien sûr, un peu le repas pour vous expliquer ce qu'on a mangé. Et aussi, on a eu deux petites surprises parce que bon, dès qu'on parle chinois, effectivement, alors qu'on s'était jamais vu hein, avec les propriétaires, ils ont été super sympas dès qu'ils voient qu'on parle chinois, qu'on veut faire l'effort, les élèves. Et je vous laisse les découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Voici la devanture du restaurant. C'est les deux noms de famille des deux propriétaires, Li et Lin, qui sont un couple. Une partie du menu calligraphiée sur la devanture, c'est magnifique. ~90% de la carte est traduite en français et en chinois, le reste c'est quelques plats asiatiques. Voici quelques raviolis faits maison, jiaozi. Jiaozi, vous les avez à la fois frits, mais aussi bouillie. Une spécialité sucrée-salée que j'adore particulièrement, le hong shao zhou, à base de porc. Et une soupe de ramen, ça c'est le mot japonais, la mien, en chinois. Et un dessert un peu franco-chinois, parce qu'il y a une touche de chantilly, avec des raviolis au sésame noir. Après, on va mettre la jambe, la ciboulette, et sauce soja, sauce suite, l'huile sésame noir. Si vous voulez essayer, vous pouvez essayer. Hein? Ça s'appelle Bao Jiaozi. Voilà, c'est enroulé, enveloppé, le jiaozi. On fait nouvel an chinois. Voilà, on fait toute la famille. On fait tout le temps. Voilà. Il faut mettre encore plus. Voilà, un peu plus. Il y a deux montres. Attends. Ça va bien? Carré au milieu, voilà. Comme ça. Après, tu fais comme ça. Après, c'est ouais, la technique elle est un peu. Bah, il faut faire le moins ensemble. Ouais, faire des plis. Je vais éclater la pâte avec mes ongles. Tu vois, comme ça, plis en deux déjà, ouais. Plis comme ça. En deux déjà. Après, il faut rassembler les coins. C'est pas bien, hein. Voilà, il fait du bien collé, bien collé. Ouais. Oui. Après, voilà, avec l'autre main. Voilà. Encore. Oui, c'est pas mal. Encore. Voilà. Voilà, après, tu peux faire. Bien pressé. Bien pressé. Là, il n'y a pas de souci, voilà. Elle va le rattraper. C'est pas mal. Bon, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est vraiment régalé. Je vous conseille vraiment d'aller dans ce restaurant. Les propriétaires sont super sympas. Vous pouvez parler chinois. Vous pouvez commander aussi en chinois puisque la carte est bilingue, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et vraiment, bon rapport qualité-prix parce que le chef est exceptionnel.
et dites que vous venez de la part de Martin Roux, le professeur du lycée de Saint-Louis-Marseille. Xie xie, zaijian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.